bonsoir. Fait qu'on va faire la vidéo comme ça. Fait que je suis accompagnée de ma très chère Carole. Caroline, Caroline. Le nom que vous voulez, vous le prenez. Vous dites Caroline, Caroline ou Caroline. J'ai marqué un nom. Carole, Carole. Fait qu'on est bien contents parce que ce mois-ci, on va voir Carole ben, tout le mois. Hein? Ouais, Carole a perdu son emploi à cause de la COVID. Caroline et Caroline aussi à cause de la COVID. Fait que Carole est rendue YouTubeuse. Je suis YouTubeuse d'un mois. Voilà, je suis en formation, savoir si je passe le test ou pas. À la fin de ce mois, elle va peut-être se créer une chaîne YouTube, qui sait? Peut-être qu'elle va y prendre goût. Mais honnêtement, on s'est dit, c'est ça, rendre l'utile à l'agréable. Mais oui! Tant qu'à, pourquoi pas l'inviter sur ma chaîne YouTube puis avoir du plaisir? Le plaisir, c'est bien tout ce que l'on veut, hein. C'est bien tout ce qu'on peut faire en ce moment. Mais c'est bien tout ce qu'on peut, en fait. Fait qu'aujourd'hui, on a une vidéo vraiment spéciale, vraiment excitante. On a décidé de filmer Cass en Emily in Paris. Oui! Comme vous le savez, ben, peut-être que vous le savez pas, mais Emily in Paris. Emily dans Paris. Ben, c'est ça, il y a une saison 2. On s'entend que ce qu'on aime de Emily in Paris, c'est ses looks. Et que j'y ressemble. Parce qu'on me dit souvent que je ressemble à Lily Shit. Lily Collin? Lily Shit. On s'est dit que ça serait le fun, en fait, d'essayer de reproduire ses looks qui sont full extravagante, mais en friperie. Voir si on allait être capable de se lancer dans une espèce de petite compétition amicale, entre meilleurs amis, de voir qui allait créer les petits looks. C'est pas amical, pantoute, notre affaire, là. Moi, j'étais à guerre, là. Toi, t'es à guerre? J'étais à guerre, là. Genre, j'ai trouvé les meilleurs looks, puis c'est moi qui gagne. Ben, en tout cas, la vidéo va se conclure comme ça. Au revoir! <Bye. rire> Fait que finalement, c'est pas une vidéo amicale, on est en guerre. On se fait une compétition pour voir qui a recréé les meilleurs looks de Emily in Paris. Exactement. On est parti d'une base. On avait trois looks qu'on pouvait s'inspirer pour justement essayer de peut-être recréer un peu les mêmes looks puis voir comme quel twist qu'on va avoir à porter. Fait que la magie du montage fait en sorte que je vais vous montrer les extraordinaires shots de nous en magasin. Merci, bonsoir, bye! On va au plus gros. En fait, c'est même pas à Montréal. Au plus gros? C'est à Brossard. Nous, on est à Chantepie. On est à Chantepie. Qu'est-ce que t'as dit? On est où? On est à Chantepie. On est où? À Chambly! Chambly. Fait que, ouais, on voulait juste vous dire qu'on est en direction. C'est vraiment tout. Au revoir! On est à Chantepie. J'ai honte de moi. On est à Chantepie. Hey, je ne connais rien de Montréal. On est même pas à Montréal! Laissez me faire! Non! La sensation la plus horrible, c'est d'avoir tes bobettes de pognée dans une. Ah, c'est pas agréable, tabarnak de calice. Et nous sommes arrivés! Nous sommes arrivés! Yeah! On est arrivés, puis là, faut se dépêcher parce que ce qu'on carreau va pogner toutes les belles affaires. Vite, 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 tabarnak! Oh! Fuck you! Ok, la gang, je sors live du plage des valeurs. Ça a full bien été, honnêtement. Ça me stresse parce que j'ai l'impression que Caro, ça a encore mieux été que moi. Genre. Elle était comme, j'ai tout. J'ai les trois outfits. Elle a fait trois outfits, j'en ai fait deux. Fait que j'ai bien hâte de voir, suspense. Mais je pense qu'on va avoir relevé le défi. Je suis comme excitée. Il fait full une belle petite neige. C'est genre une petite neige romantique. Sauf, je dois avouer que je pense qu'on a complètement ruiné mon compte de banque. Fait que Emily in Paris, t'es mieux d'être fucking fière de nous. T'es mieux d'écouter ma vidéo YouTube, ma petite cochonne. T'es mieux d'écouter ma vidéo YouTube, ma petite cochonne. Mission Mercy. Non, accomplish mission. Accomplish mission. Accomplish mission. Quel magasinage incroyable. Est-ce que j'aime ça, l'ouvrage des valeurs? Toi, t'aimes-tu ça? J'aime ça. Mais t'as trouvé ça comment? Divertissant. Ah, divertissant. Je dirais que c'est la seule chose que j'ai faite cette semaine. Ah. Mais voilà, c'est un petit spice dans ta vie. Je pense que j'ai vraiment bien relevé le défi. Ok, mais est-ce que, mettons, tu trouves que tes looks ressemblent quand même au look ou genre t'es vraiment inspiré puis ça ressemble pas vraiment? Non, c'est vraiment, ça ressemble vraiment au look. Hein? Ouais. Ok, je suis quand même un peu stressée parce que pour vrai, moi j'ai trouvé ça étonnamment quand même difficile. Puis mes looks sont inspirés d'eux mais sont pas nécessairement pareils. Mais tu sais, on comprend vraiment, là, genre, okay. Ça ressemble vraiment. Moi j'ai vraiment été dans un peu les mêmes genres de couleurs, même genre de trucs. Oui, moi aussi. Ok, mais c'est quoi les looks que t'as fait? J'ai fait les trois. T'as fait les trois? Ouais. T'as fait les trois. Ouais. Genre, la tête aux pieds, mettons. Pas mal. Ok, moi j'ai fait deux looks. J'ai fait le look vert, puis le look genre quadrillé noir avec le petit chapeau rouge. Puis là, on a décidé que vu que je ressemble, fait que c'est moi qui allais essayer les vêtements. Ouais. Fait que quand ça a tout essayé, fait que vu qu'elle est pareil, pareil, vous pouvez l'appeler Lily à partir de maintenant. Appelez-moi Lily Shit! T'as Lily!
la vraie version, puis t'as Lily Shit, c'est la version cheap. C'est moi? My version God! Version cheap, Lily Cheap, c'est tellement bon! Ok, on va chercher les sacs, puis on se monte les outfits. Ouais. Go! Ok, mais là, tu triches, là, t'as rien à acheter des affaires de chez toi. Non, mais je t'ai dit que j'avais un accessoire que je prenais de chez moi. Yo, tu perds des points, là. Notez ça à la maison, hein, Caro, à part des points, tabarnak. Non, je t'ai dit! Tricheuse. Regarde pas! Hey, moi, je le dis haut et fort, j'ai pas peur de le dire, et c'est triché. On va se présenter les outfits, puis après ça, je vais aller les essayer pour voir comme ça fait du sens. Mais on va commencer par se présenter les outfits. Fait qu'on commence par se présenter le outfit quadrillé, qui est celui-ci juste ici que vous voyez. Qui est celui-ci juste ici que vous voyez. My God, celui-ci juste ici que vous voyez. C'est celui-ci que juste ici que vous voyez. Que vous voyez. Que vous voyez. Fait que, est-ce que tu commences ou je commence? Pour le premier look, on s'entend que ça prenait vraiment une veste longue quadrillée. C'était pas mal ça le look en tant que tel. Fait que j'ai trouvé une hostie de belle veste longue quadrillée. Je la trouve tellement belle. T'as tellement pogné ça dans la section des gars? Non, même pas dans la section des filles. Vrai? Oui, ça le fait là. Ouais, ça le fait. Ça le fait? Puis c'est juste ça? Non, non. Après, on peut apercevoir qu'elle a un petit sac à main noir de marque. Et j'ai trouvé un petit sac à main Gucci. Non, c'est un Guess. Un petit sac à main Guess. Il est quand même cute pour vrai. Mais ça le fait en bandeau. En bandeau. 15 piastres? Pas si belle. Cher. Hey, c'est un sac à main Guess. Cher. Hey. J'ai trouvé une paire de souliers que j'ai l'impression que ça fait très trop avec ce look-là puis qu'elle aurait pu mettre, tu comprends? Mm-hmm. C'est des petits talons comme ça? Ah, oh, ils sont cute. Ils sont trop beaux, regardez. C'est-tu des 8? C'est des 8, mais c'est ça, ça te fait pas ça? Tu vas me faire pousser les pieds, non? Je les ai essayés puis ils sont faits. Non, ça te fait pas. Serais-tu en train de tenter de vouloir m'évoler? J'ai vraiment cherché fort pour trouver un béret. J'ai pas réussi à trouver un béret. J'ai trouvé ça, qui est un petit chapeau rouge. Ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Puis ça, tu sais, ça fait un peu française aussi, ce genre de style de chapeau-là. Genre, tu sais, comme. Ça te va bien pour vrai? Ah ouais? Ouais. Mais, fait que voilà, ça, c'est mon premier look. Ça le fait. À vous? Ouais. Es-tu excitée? Ouais, quand même. Est-ce que tu remets en question tes looks à toi? Non. Non, mais pas mon look en question. La seule affaire, c'est que moi, j'ai pas trouvé le béret rouge. Non? Ben non. Là, c'est un gros accessoire, là. C'est Attends! À part des points, à part des points, à part des points, à part des points. Ça, c'est dans mes affaires, mais j'ai un béret noir. Okay. On dit tricheuse, c'est ça, t'as triché, c'est-tu? Fait que j'ai mon béret noir. Non seulement t'as triché, mais il est même pas la bonne couleur. Hey! Là, j'ai trouvé petit sac à main. Ah! Mais check! Voilà! Petite sacoche accessoire. Ok, mais ça le fait. J'ai trouvé! Quoi donc? C'est vraiment un blazer long. Il est pas si long, ma chum. Tu penses qu'on va me voir la semaine prochaine? Non, non. Non. Et je pense qu'on va me voir le non. Non, on ne verra pas le revue. Ouais, hein? Non. On va peut-être voir ses seins, par exemple. Oh, j'ai pris des souliers rouges. Ils sont lettres ensemble. Ils sont lettres ensemble. On va jamais mettre ça. Il était doux. Je suis contente du rappel rouge parce qu'il était vraiment important dans ouais. Le monde. Wow, Belle! Moi, même Caro s'appelle Belle maintenant. Wow, Belle! C'est Trouble Belle! Sir wow, Belle! Oh, I can't believe it! Fait que je réussis quand même le test, là. C'est pas pire. Je suis quand même très agréablement surprise de mon premier look. C'est très positif. Très positif? Très hein? Positif. Très positif. Deuxième outfit, j'ai plusieurs options. Mais ça a été difficile. Mais oh, t'as plusieurs options. Faut y croire. Deuxième outfit, c'est lui avec plus de vert et de rose. Fait que j'ai laissé aller mon âme, ma créativité. J'ai laissé aller ma créativité. C'est comme ça que je dirais ça. C'est comme ça que je dirais ça. Fait qu'on commence avec ces souliers-là. Là! Hey, c'est sûr qu'il y en a. Ben non, ça fait pour tout. Pour la petite jupe, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Arrête de regarder. Arrête de regarder dans mon sac. Je vais péter à la coche. J'ai eu de la misère à trouver une jupe dans ce style-là, mais quand même, on a quelque chose, garde. Non? Ouais. Ben ouais, là, oui. Pour vrai, oui. C'est rose et vert. Ouais. Genre, je m'attendais pas à ça. Ça le fait, là. Ça le fait. Ouais, j'ai trouvé ça difficile, le gilet, parce que c'est quand même une pièce spéciale, avec plein de couleurs, puis j'ai pas trouvé de genre de gilet dans ce style-là. Fait que j'ai comme deux options. J'ai option colorée, gilet. Je me disais, c'est pas dans les mêmes couleurs, mais comme, on y croit, t'sais, au moins il y a de la couleur. On y croit quasiment pas, là. Macho? Check! Macho? Comment ça fait pas? Et sinon, j'avais une deuxième option. Ok. Comme, on s'entend que le outfit est comme dans les teintes de vert et de rose, principalement. J'ai trouvé un gilet vert que je trouve que Emily in Paris porterait, genre. Checké? Comme ça, genre. Ouais. Ça le fait. Ben pour vrai, le gilet avec la jupe, ça le fait. Comme j'ai choisi un gilet vert à la place d'un gilet plus rose, j'ai pris une ceinture rose. Tu sais, pour comme. Ouais. Tu comprends? Hey, le manque de respect, là, c'est flagrant dans cette vidéo, là. Mais comme, ça le fait, là. Ben, genre, ça le fait. On est dans le même couleur. Ok, mais ça, ça le fait plus que ton. Ça, là. Ok, mais ça, atroce. Ça, c'était juste pour rire. C'était un pain. Hey, laisse faire. Et j'ai trouvé cette veste pour mettre par-dessus. Ah!
qui est comme un peu dans les mêmes verres. Puis c'est pas exactement la non, même veste, mais elle fait quand même. Oui. Et pour rapport, je me suis trouvé un petit foulard. Qui fait Emeline Paris, je trouve. Regardez. Ouais, il est beau. Moi, il est beau. C'est pour toi. Méga beau. Non, c'est pour toi. Prank. Hey, il te reste juste toi à montrer des outfits. Okay, fait que look numéro 2, moi j'ai omis qu'il y avait du rose sur son outfit. Mais on t'a pas moi. Tu avais pas remarqué qu'il y avait du rose sur l'outfit? Ben oui, mais j'en ai comme pas trouvé. Fait que j'étais comme, je vais switcher rose pour du blanc. Puis là, attends, t'es en train de... Laisse-moi montrer mon outfit en premier. Oui, je suis teinte, Testy. Laisse-moi. Ça, c'est ma jupe. Mais je trouve qu'elle fait Emily in Paris, par exemple. Vraiment. Ouais. Je trouve que c'est son genre de pop. Vraiment. Dans le fond, c'est ma jupe comme ça, par exemple. Ah, ben oui. Mais hein. Mais c'est une BCBG! Oh my god! Oh my god! BCBG is luxure. Vu que j'ai pas trouvé de ceinture verte, ouais. J'ai trouvé une ceinture bleue. Mais what is the rapport? Ben, il y a full de bleu. Ah, mais ben, belle par contre. Ben, belle, c'est un grand mot. Belle. Ben, belle. Il y a du bleu sur sa jupe. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ben, j'ai ceinture bleue. Hey, non, moi je la trouve belle, honnêtement. Ben, t'as toi, fille. Ton chandail, c'est sûr, ça a aucun crise de rapport. Ça se permet de juger mon chandail. Ça se permet de juger mon chandail! Hey, attends! Oh my god! Ok, on va chercher le vert avec le petit collet comme ça puis le ligné. Mais where is the pink? There's no pink! C'est tout? Ouais. Mais je trouve qu'avec la jupe à l'envers, par exemple, ça fit un peu moins que si je la mets à l'endroit. Moi, je me questionne vraiment where is the pink. L'outfit peut être beau, mais va-t-il vraiment ressembler à l'outfit original? Mais toi, t'as dit que tes outfits ressemblaient à vos originaux. Ça ressemble vraiment à l'original? Ah, ben oui, same. Il manque juste. same, but not very same. Il manque juste un peu de rose. J'ai hâte d'essayer le tout car je suis Lily Shit, do you remember? Ouais, super. Ok, puis outfit 3, que quand ça l'a pas fait, ben en fait, t'allais en faire deux, mais toi, t'as vraiment. Ouais, j'étais pas sûre. J'avoue qu'elle gagne un point là-dessus. Là. T'es 3. Mais je suis capable d'avouer la vérité. Le outfit 3, la seule affaire, c'est que j'ai pas trouvé les carreaux. Ah non, mais là, c'était. Mais c'est parce que toi, t'oublies tous les trucs nécessaires des outfits. Non, non! Le petit béret rouge, c'était le truc nécessaire de l'outfit. J'ai trouvé les bottes! Alors, on va commencer. Une jupe rose? Ben oui, mais là, check, la jupe est jupe rose. Ouais, rose, là. Jupe rose. En tout cas, il est là, le pink de l'autre outfit que je cherche. Fait que jupe rose. Ben ça le fait. Okay. Elle peut pas être plus rose, c'est vraiment le même rose. Hein. Fait que ouais. Parfait. Puis là, j'étais comme, pas trouvé le chandail, mais là, regarde, j'ai pris un petit col rond. Ah, mais ça le fait quand même. Avec des petits brillants, parce que c'est comme Kitten avec Paris. Oui, c'est comme ça. Ah, ça le fait quand même. Mais là, l'affaire, c'est que mes bottes, elles, ses bottes sont pareilles, mais moi, elles sont pas pareilles. Oh my god, c'est les plus laides bottes que j'ai mis dans 5 vies. Avoue que ça fit. Ben non, pas du tout. Ça fit pas, mais regarde, c'est rose. Je suis tellement déçue. Oh my god, c'est les plus laides bottes que j'ai vues de toute ma vie. Tu te sens comment? Je me sens fébrile à l'idée d'essayer ces bottes roses qui me donnent envie de mourir. Carole, je trouve que c'est quand même mission réussie. Mais il faut quand même laisser un petit doute planer. Non, faut laisser planer le doute. Car je n'ai pas encore essayé les petits outfits. Parfait. Fait que maintenant, it's time to try. Ben go. Ben vas-y, c'est toi qui essaye. On est back, on s'est comme pimpé. Seriez-vous deviné qu'est-ce qu'on a rajouté? Écrivez dans les commentaires. Quelle belle séance d'essayage. Une bonne main d'applaudissement pour nous. À la française. À l'américaine. Et pour conclure, c'est quoi le look que t'as le plus aimé, mettons? Que t'es comme, ceci est une réussite. Et au contraire, quel look que tu t'es dit, ceci est un échec.
Ton look vert est vraiment l'échec. Ton look vert, c'est l'échec de la vidéo. Échec monumental. Non, c'était horrible. Ton premier look? Ouais, mon premier look avec justement ce petit accessoire, j'étais full bien. Genre, je me sentais sexy aussi. Moi, je trouvais que ton veston, par exemple, était trop grand. Le truc était vraiment trop grand. Mais c'est parce qu'il y avait des épaulettes dedans. Vois-tu, moi, je les enlèverais si je le porterais. Mais on trouvait que ça faisait quand même Ebony in Paris, justement. Trop grand. Tu essaies de trouver des trucs pour chialer. Non, il était trop grand, là. Trouver des trucs pour chialer. Ben oui, bonjour, Paul. Bon, ben, ce sera avec Paul qu'on va faire la conclusion, hein, ça a l'air. Ton look rose m'a moins effrayé que je pensais. Non, il était vraiment pas si. Mais genre, j'oserais pas dire que, genre, c'était une réussite. Mettons. C'était pas un échec. Je tiens à faire une petite parenthèse avant qu'on se quitte. J'en reviens pas que t'as dit que tes looks ressemblaient parfaitement au look. What the fuck? Genre, tu vis dans Danny Matchum, là. T'as besoin d'avoir le contact, t'as besoin de lunettes, là. Écrivez dans les commentaires, vous, c'est lequel votre outfit préféré, genre. Que vous êtes comme, wow. Partage la vidéo, like la vidéo. N'oublie pas de suivre la page. What in the world? En tout cas, fait que bref, merci Caro. C'était fun. Belle, t'as tellement réussi le défi. Je suis so much fière de toi. Fait que on se voit la semaine prochaine les cocos. Bye. Prenez grand soin de vous. Mouah.